Hey, salut tout le monde, comment ça va? Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je commence l'émission, on dirait que je suis pas capable de bien timer le petit jingle de l'intro, puis ma voix. J'ai tout le temps des problèmes avec ça, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, le petit jingle qui a été fait par Gabriel Sabourin, que je vais bientôt présenter, lui, c'est Multiple Band. Gabriel Sabourin, c'est un gars dont vous devriez noter le nom. Parce que ce gars-là, il va être partout bientôt. C'est une future rockstar du Québec. Mais vous, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, il fait beau, je suis content. J'ai décidé de faire une petite émission improvisée comme ça. Alors, sur la chaîne, sur le live, comme d'habitude, on fait de la découverte de musique québécoise. On va découvrir des artistes d'ici, des artistes bien québécois. Puis pourquoi pas commencer ça. Maintenant, qu'est-ce que vous en dites? Ouais, hein? Ça vous tente. Ça vous tente, vous avez hâte, hein? Moi aussi, j'ai très hâte. C'est qu'on va commencer avec Cobra et Vulture. On écoute ça maintenant. Let's go! Bonne écoute! Les petits cocos, ça va toujours bien? Moi, ça va toujours bien, merci. Lâchez pas surtout le channel, on va passer d'autres musiques, on va en passer d'autres musiques super incroyables qu'on vient d'écouter qui étaient de Cobra et Vulture, c'était Walking Early. Vous pouvez les trouver sur Bandcamp. Bandcamp, si je le rappelle, c'est une plateforme bandcamp.com. Sur laquelle les artistes indépendants peuvent publier leur musique puis la vendre au prix qu'ils veulent. Alors, vous pouvez évidemment trouver plein de styles de musique, vous pouvez trouver plein de choses, des choses qui vont vous faire vibrer. C'est ça qu'on veut aujourd'hui, c'est ça qu'on cherche à faire à l'émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne AP Community. C'est votre animateur Richie Nesbou. Puis là, on s'en va écouter un autre groupe évidemment de Montréal, qui s'appelle Invisible Man. C'est que, let's go, on s'en va écouter ça. Hein?
realize the secret to surviving life is not to let them break your heart. Pour de vrai, c'était bien. Un petit côté alternatif à tout ça, c'est vraiment bon, j'ai bien aimé. Je vous propose donc d'aller en écouter un autre. J'ai bien apprécié. Donc, on y va, let's go! Mass confusion, don't know quite which way to turn. So many institutions, don't know quite which thing to learn. Call me Ishmael, seems I'm destined to fail. Captain Ahab, searching for my white whale. For my white whale. For my white whale. Uh-huh.
Yeah! C'était cool, bravo les gars. Bravo, c'était vraiment bon. Là, c'était Invisible Man qu'on vient d'écouter avec la tune White Whale. La baleine blanche, en fait. Ok, on va partir vers notre première... annonce, est-ce que c'est ça? En tout cas, je vais vous parler de notre commanditaire officiel, notre premier commanditaire, les Transports Sabourin et Fils, une compagnie de déménagement située dans Montréal, ben, qui œuvre dans Montréal et les environs. Les Transports Sabourin et Fils, si vous avez besoin, qui font des petits déménagements, si vous avez besoin de faire déplacer quelque chose, aller chercher un poêle, aller porter un divan ou des cossins de même, ben eux autres sont là pour vous. Vous avez juste à checker dans votre journal local, puis vous allez pouvoir les retrouver, je le répète, les Transports Sabourin et Fils. Allez voir ça. C'est notre merci à eux, dans le fond, de commanditer cette émission. Merci beaucoup, les boys. On va aller écouter un autre artiste. Isabelle, elle a fait une extension francophone de son album. Une extension francophone de son album. On va aller écouter ça maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, wait a minute. Oh, attendez une minute. Non, on n'ira pas écouter Isabelle malheureusement aujourd'hui parce que je viens de voir que je n'ai pas accès à sa musique. Mais c'est pas très grave parce que on en a de la musique, on a du choix. Puis avoir le choix, ben c'est tout le temps le fun. Pas d'imprévu. Fait que écoutez, d'abord on va aller écouter Jean-François Lapierre. On va aller écouter ça maintenant. Let's go! Si vous voulez vivre la paix dans l'âme, mais avez trop de passion pour éteindre la flamme. Si vous êtes perturbé par les événements, que les choses dépassent votre entendement. C'est vous savez bien, chers amis, le grand prix de la loterie. Dans le grand jeu du destin, car qu'importe le chemin, nous ne sommes que feuilles rares. Si vous ne savez plus quelle mouche vous a piqué, ignorez de quel bois on vous a fabriqué. Si vous avez peur de ne pas être assez beau, demandez-vous alors comment se sent le crapaud. C'est vous savez bien, chers amis, le grand prix de la loterie. Dans le grand jeu du destin, car qu'importe le chemin, nous ne sommes que feuilles rares. Si la solitude pèse lourd sur vos épaules, que vous en avez assez de jouer le même rôle, dites-vous bien que seul en vous existe le pouvoir de faire grandir en soi-même un jardin plein d'espoir. Car si vous savez bien, mes chers amis, tous on gagne à cette loterie. Dans le grand jeu du destin, car même si la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. C'est vous savez bien, chers amis, le grand prix de la loterie. Dans le grand jeu du destin, car qu'importe le chemin, nous ne sommes que feuilles rares. Yeah, bravo, bravo. C'était Jean-François Lapierre avec la chanson La Loterie. Une très belle écriture, un très beau message qui vient de nous passer là.
Merci beaucoup. Bon succès, Jean-François, 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 Jean-François. Est-ce que je l'ai assez dit, là? C'est juste pour que ça vous rentre dans le texte. Écoutez, c'est moi votre animateur, Richie Nesbou, le préféré d'entre tous. Si vous avez des compositions originales, si vous avez des compositions, envoyez-moi ça au... comme vous pouvez le voir à l'écran finalement, au apcommunity@commercialhotmail.com. Puis j'essaie de faire du direct tous les jeudis, mardi et jeudi, puis des fois comme aujourd'hui, vu que c'est quand même quelque chose que j'aime, je fais du bonus. Aussi, j'aurais peut-être dû le préciser au début de l'émission, mais il y a des bonnes chances que aujourd'hui l'émission soit démonétisée. Oui, je sais les cocos, je le sais, c'est plate, mais les artistes ont les droits d'auteur, puis ils ont le droit de pas se faire voler leur argent finalement, ou que pas n'importe qui puisse faire de l'argent comme ça sur leur dos. C'est que, écoutez, pour l'émission d'aujourd'hui, c'était une petite émission, je sais, vous êtes triste que ça finisse déjà, mais on va se laisser sur une dernière chanson. Puis encore une fois, comme dans toute l'émission, dans le fond, des artistes québécois, des artistes bien de chez nous, des artistes bien de chez vous. C'est ça. C'est peut-être votre cousin, c'est peut-être votre oncle, c'est peut-être votre voisin ou votre collègue de travail. Mais il est là près de vous. Il vient de notre pays. Soyons-en fiers. Et vous savez quoi? L'ouverture d'esprit aussi, musicalement, ça fait du bien. Faut se laisser des fois un peu embarquer dans le mood de la musique. T'sais, c'est pas moi non plus, hein, c'est pas tout le temps mon style de musique, qu'est-ce que je fais passer, mais je découvre des choses quand même assez incroyables. Pour de vrai, j'ai découvert de cette façon-là des bands assez incroyables que j'aime beaucoup et que j'ai envie de supporter. Mais bon, allez. Fait que je vous laisse avec cette dernière chanson du groupe Riverbed. Vous me dites ce que vous en pensez, ou vous me l'écrivez. Richie Nesbou, ça c'est mon nom, vous pouvez me trouver sur Facebook. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, la partager, pouce bleu, blablabla, vous connaissez tout ça. Mais aussi à souscrire à un abonnement sur la chaîne AP Community. Donc, c'était Richie Nesbou, puis je vous souhaite bonne écoute, puis bonne fin de journée, ou bien bon matin, ou bien bonne fin d'après-midi. Que du bonheur et de l'argent pour vous, mais aussi de l'amour et de la joie. Ouais. OK, salut, bye bye.